Dans chaque cas, comparer a et b. On commence par le premier cas. On a a égale moins 2 sur 3 et b égale moins 4 sur 15. Pour comparer ces deux nombres, il suffit tout simplement de comparer leur différence. Alors, on va comparer la différence de a et b. Autrement dit, on va calculer a moins b. a moins b a c'est quoi? C'est moins 2 sur 3. Et b c'est quoi? C'est moins 4 sur 15. b est un nombre négatif, alors on va l'écrire entre parenthèses. Moins 4 sur 15 entre parenthèses. Alors moins 2 sur 3, c'est moins 2 sur 3. Moins moins, ça nous donne plus. Alors plus 4 sur 15. Là on a moins 2 sur 3, plus 4 sur 15. Il faut mettre les deux fractions au même dénominateur. 15 est le multiple de 3, autrement dit, on peut multiplier 3 par 5 pour avoir le même dénominateur. Alors, moins 2 fois 5 égale à moins 10. Alors, moins 10 plus 4 sur 15. Qui est égal à moins 10 plus 4 égale à moins 6. Moins 6 sur 15. On peut bien réduire cette fraction parce qu'on a 6, on peut diviser 6 par 3 et 15 par 3. Alors ça nous donne moins 2 sur 5. Moins 2 sur 5 est un nombre négatif. Alors on a, on peut déduire, on a moins 2 sur 5 est strictement inférieur à 0. Alors, moins 2 sur 5 c'est A moins B. Alors, a moins b est strictement inférieur à 0. Alors quoi Puisque a moins b, la différence de a et b est strictement inférieure à 0, cela veut dire que le premier nombre a est strictement inférieur, on a le symbole strictement inférieur, au deuxième nombre b. Sinon, on peut écrire aussi a c'est quoi Moins 2 sur 3. Est strictement inférieur à moins 4 sur 15. Deuxième cas, on a A égale 3 racine carrée de 2 et B égale 4 racine carrée de 3. On doit comparer ces deux nombres. Comment faire Là, on a la racine carrée de 2 et là, on a la racine carrée de 3. 2 est strictement inférieur à 3. Cela veut dire que la racine carrée de 2 est strictement inférieure à la racine 3. Et là, on a les nombres liés aux racines carrées. Qu'est-ce qu'on va faire D'abord, on va commencer à comparer les nombres. On a 3 est strictement inférieur à 4. Là, pour les racines carrées, on a, on a aussi, pour, on a 2. Est strictement inférieure à 3. Cela veut dire que la racine carrée de 2 est strictement inférieure à la racine 3. On va l'écrire ici. Et la racine carrée de 2 est strictement inférieure à la racine carrée de 3. Là on a deux inégalités. 3, strict 3 est strictement inférieur à 4, la racine carrée de 2 est strictement à la racine carrée de 3. On peut multiplier les inégalités sans changer l'ordre. Autrement dit, on va multiplier 3 fois la racine 2. Alors, 3 fois racine 2 est strictement inférieur à 4 multiplié par la racine 3. Là, on a des nombres positifs. Alors, L'ordre ne change pas. 3 fois racine 2, c'est 3 racine 2. Est strictement inférieur. 4 multiplié par racine 3, c'est 4 racine 3. 3 racine 2, c'est A. Alors A est strictement inférieur à B. Troisième cas A égale la racine carrée de 11 et B égale 2 racine 3. Là, si par exemple on compare 11 avec 3, 11 est strictement, est strictement supérieur à 3, mais là on a 2. Qu'est-ce qu'on va faire On va comparer le carré de chaque nombre. Alors, on va calculer a au carré et b au carré. A au carré, c'est quoi A, c'est la racine 11. Alors, c la ra a au carré, c'est la racine 11, le tout au carré. La racine carré de 11, le tout au carré, c'est 11. Et maintenant, on va calculer b au carré. b au carré, c'est 2 racines 3, le taux au carré. 2 racines 3, le taux au carré, c'est 2 au carré multiplié par la racine 3, le taux au carré, qui est égal à 2 au carré, c'est 4. La racine 3, le taux au carré, c'est 3. 4 multiplié par 3, égal à 12. On a calculé a au carré. On a obtenu 11. On a calculé b au carré, on a obtenu 12. Cela veut dire, on a 11 est strictement inférieur à 12. 11, normalement, c'est quoi C'est a au carré. Alors, a au carré est strictement inférieur à 12. 12, c'est b au carré. On a une règle si a au carré est strictement inférieur à b au carré, Sachant que a et b sont des nombres positifs, alors quoi Alors a est strictement inférieur à b. Autrement dit, a c'est quoi C'est la racine de 11 est strictement inférieur à 2 racine 3. Quatrième cas a égale moins la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 27 et b égale moins la racine 7 plus 3 racine de 3. On va essayer de calculer la différence de A et B. Autrement dit, on va calculer A moins B. A c'est moins racine 5 plus la racine carrée de 27 moins B. B c'est une expression, alors on doit la mettre entre parenthèses. Moins la racine 7 plus 3 racine carrée de 3. En remarquant bien la racine carrée de 27, on peut bien simplifier la racine carrée de 27 parce que la racine carrée de 27, 27 contient un nombre, un carré parfait, pardon. Alors, la racine de 27, normalement, c'est la racine carrée de 9 multipliée par la racine de 3. La racine carrée de 9, c'est 3. 3 multiplié par la racine 3, c'est 3 racine 3. Alors là, moins la racine carrée de 5, plus on a dire la racine carrée de 27, c'est 3 racine carrée de 3. Là, on a moins entre parenthèses, moins la racine carrée de 7, plus 3 racine 3. On peut supprimer les parenthèses en changeant les signes des nombres qui se trouvent entre la parenthèse. Moins racine 7 devient plus racine 7. Plus 3 racine 3 devient moins 3 racine 3 là on a plus 3 racine 3 et moins 3 racine 3 égale à 0 alors ce qui reste c'est ra moins racine 5 plus racine 7 c'est normalement c'est la racine 7 moins la racine 5 alors a moins b égale la racine 7 moins la racine 5 ce nombre est un nombre positif ou un nombre négatif on peut bien aussi comparer la racine 7 et la racine 5 on a 7 est strictement supérieur à 5. Alors, quoi La racine 7, la racine carrée de 7, est strictement supérieure à la, à la racine carrée de 5. Cela veut dire que la différence des nombres est strictement supérieure à 0. La racine 7 moins la racine 5 est strictement supérieure à 0. Autrement dit, la racine 7 moins la racine 5, c'est bien a moins b. Alors a moins b est strictement supérieur à 0. Cela veut dire que a, le premier nombre, est strictement supérieur au deuxième nombre, b. Alors a est strictement supérieur à b. Cinquième cas a égale moins 5 sur la racine carrée du 17 plus 2. Et b égale moins 5 sur 3 racines carrées de 2 plus 2. Nous devons comparer les, les nombres a et b. On a a égale moins 5 sur la racine carrée de 17 plus 2. On a une règle en mathématiques pour un quotient. Exemple a sur b égale a multiplié par 1 sur b. 1 sur b, c'est l'inverse du nombre b. Alors, a égale à combien Égale à moins 5 multiplié par 1 sur la racine carrée de 17 plus 2. Et pour le nombre b, b égale moins 5 multiplié par 1 sur 3 racines carrées de 2 plus 2. Pour le nombre 1 sur la racine carrée de 17 plus 2, Normalement, c'est l'inverse du nombre la racine carrée de 17 plus 2. 1 sur 3 racines carrées de 2 plus 2, c'est l'inverse du nombre 3 racines carrées de 2 plus 2. Alors, pour comparer les nombres A et B, on va d'abord commencer par comparer l'inverse des nombres racine 17 plus 2 et 3 racines carrées de 2 plus 2. Pour comparer les inverses de ces nombres et il suffit tout simplement de comparer les nombres racine carrée de 17 plus 2 et 3 racine carrée de 2 plus 2. Pour cela, on a ici on a 2 et là on a 2, et 2 égale à 2 alors ce qui fait on va comparer la racine carrée de 17 et 3 racine carrée de 2. Pour cela, on va élever les deux nombres au carré. La racine carrée de 17 au carré égale à combien? Égale à 17. 3 racines carrées de 2 le tout au carré égale 3 au carré. Multiplié par la racine carrée, la racine carrée de 2 le tout au carré. Qui est égal à combien? 3 au carré c'est 9. La racine carrée de 2 le tout au carré c'est 2. 9 fois 2 égale à 18. On a 17 est strictement inférieur à 18. Alors, on déduit que la racine carrée de 17, le taux au carré, est strictement inférieur à 3. 18, c'est quoi? C'est 3 racines de. Le taux au carré. Alors, la racine. Carré de 17, le tout au carré est strictement inférieur à 3 racines de le taux au carré. Cela veut dire que la racine carrée de 17 est strictement inférieure à 3 racines carrées de 2. Là, on a au dénominateur, on a plus 2, plus 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire on va, ajouter, on va ajouter le nombre 2 à notre inégalité. Alors, la racine carrée de 17 plus 2 est strictement inférieur à 3 racines de plus 2. Maintenant, on peut bien encadrer, faire l'inverse des deux nombres. Alors, 1 sur la racine carrée de 17 plus 2, 1 sur 3 racines carrées de 2 plus 2. Pour l'inverse, il faut avoir deux nombres de même signe. Racine carrée de 17 plus 2 est un nombre positif. 3 racines carrées de 2 plus 2 est un nombre positif. Alors, pour l'inverse, on peut bien changer l'ordre. On avait un inférieur, stri strictement inférieur. On va écrire le contraire, strictement supérieur. Maintenant, on a 1 sur la racine carrée de 17 plus 2 est strictement supérieur à 1 sur la 3 racines de plus 2. Dans les nombres A et B, on a moins 5 au numérateur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va multiplier l'inégalité par le nombre moins 5. Alors, moins 5 multiplié par 1 sur la racine carrée de 17 plus 2. À droite, on va multiplier aussi 1 sur 3 racine carrée de 2 plus 2 par moins 5. Alors, moins 5 multiplié par 1 sur 3 racine carrée... 2, 2 plus 2. Mais faites attention, moins 5 est un nombre négatif. Lorsqu'on multiplie une inégalité par un nombre négatif, l'ordre change. Cela veut dire on va écrire le contraire du, du symbole. On, là, on a, on a strictement supérieur, alors on va écrire strictement inférieur. Et maintenant... On peut déduire. Alors, moins 5 multiplié par 1 sur la racine carrée de 17 plus 2, c'est bien moins 5 sur la racine carrée de 17 plus 2. Est strictement inférieur à moins 5 sur 3 racines de plus 2. Moins 5 sur la racine carrée de 17 plus 2, c'est bien le nombre à A. Et moins 5 sur 3 racines de plus 2, c'est bien le nombre b alors a est strictement inférieur à b on a bien terminé cet exercice à très bientôt